Alors, me revoilà pour la deuxième partie de l'étape 5. Life begins. Voilà, second. Les groupes de tête étaient à 54 secondes de nous. Donc là, il y a encore une petite montée. Après, ça va être le sprint, enfin, l'arrivée. Là, je vais prendre une banane, même si j'en ai pas besoin. À 16 km de l'arrivée. Donc là il y a Cavendish. Je vais demander à Froome de protéger Cavendish, tout préserver pour la fin. Protège ton coéquipier. Ok mec. Fait Cavendish à mon avis. On va y aller. Et je ferai encore l'étape 6 plus tard, c'était dans la soirée. Et demain, samedi ou dimanche, je ferai la planche des belles filles. Bon, pour l'instant, si ça reste comme ça, on a vu que l'arcade est à fait plus personnelle. Si l'écart reste comme ça, là je plonge vers le dessin. Voilà. Tu vas mettre ça sur de l'arrivée. Donc là, alors c'est qui est devant là? Il a l'air complètement naze. Il est complètement mort. C'est qui? Attends, deux autres coureurs. Deux coureurs de la GTA mondiale. Constantini et Ribon. Alors, qui c'est qui a là? Cadré. Il y a encore cadré devant. Voilà. Là, on est en train de revenir. On commence à ramasser les coureurs qui sont complètement morts. Voilà, 46 secondes, groupe de tête. À moins de 10 km de l'arrivée. Voilà, nous allons attaquer une petite côte.
on va pas durer très longtemps. On a vraiment une petite cote de 5%, 6%. Avec une moyenne d'un avis de 6%, ce n'est pas grand chose. Comparé à la planche des belles filles. À lâcher dans la courbe de tête du moulin. L'équipe Kofidi, je crois. Ouais. À 36 secondes du groupe de tête. C'est les lâches. Ah ouais, les lâches. Ouais. On est encore 185 dans le peloton. Et on est à 32 secondes du groupe de tête. Donc là ça va, je suis protégé. Cavendish, c'est toujours le peloton. Je vais demander la forme. Comment ça va? Ma foi, ça va bien. Donc, Cavendish est toujours là. Mais si l'échappe va au bout, je pense que ça va être Peter Sagan qui va gagner l'étape. Ah donc 4 500 km de l'arrivée. Allez, Evans qui est là. Voilà, j'arrive pas à passer. Ça, normalement, ça passe en famille. Voilà. Voilà ma barre jaune qui remonte. Remonte un peu. Nous sommes à 36 secondes du groupe de tête, à 3 km de l'arrivée. Ah donc attaque de Peter Sagan. On a eu vers les 700 derniers mètres, je vais demander à Cavendish d'attaquer. Je vais favori la pour l'instant, à mon avis, de 3 de tête, c'est Peter Sagan.
attend 1 km. Il attend 1 km. Il va bientôt demander à Cavendish d'y aller. J'attends un peu et je demande à Cavendish d'y aller. C'est Rock and Evans, c'est bon. Donc encore un point sur le classement général. Et après je vous laisse. Donc voilà, le même temps que Calais Evans. Donc comme je l'avais dit, Peter Sagan a gagné. Maintenant, voilà le classement général. Premier Cadel Evans, deuxième Philippe Gilbert, qui a le même temps, et troisième ben, moi, Bradley Wiggins, avec une seconde. Classement mountain, Philippe Gilbert. Sprint, Philippe Gilbert. Meilleur jeune, Wout Poels. Et équipe, c'est la Rabobank. Voilà, donc maintenant, je vous dis à plus pour une nouvelle étape.